Et le climat est très étendu en France. Ce 1er mai a été émaillé par des heurts. Plusieurs villes sont concernées, principalement Paris, Nantes et Lyon. Les imposants défilés ont été marqués ce 1er mai cette année par l'Union syndicale contre la réforme des retraites. À Paris, un policier a été grièvement blessé, brûlé à la suite d'un jet de cocktail Molotov. Sur la place de la Nation, plusieurs policiers anti-émeutes ont perdu connaissance sous les jets de pierres et de pétards. Selon un bilan provisoire, près de 200 personnes ont été interpellées à 18h en France, dont 68 à Paris. Des incidents ont également été recensés dans les cortèges à Bordeaux et à Toulouse. À Marseille, quelques 200 personnes ont brièvement occupé l'hôtel intercontinental, causant des dégradations au passage après le traditionnel défilé qui s'est lui déroulé dans le calme.